Bonjour tout le monde, vous allez bien? Bon, je m'excuse d'avance si vous entendez parler de temps en temps, mais c'est qu'en fait c'est le GPS qui me parle. Et comme j'ai pas trop envie d'écouter la voix française prononcer les rues et les noms allemands. Des fois, c'est un peu incompréhensible. Mais je l'ai programmé, j'ai configuré pour qu'il me parle en allemand. Comment allez-vous aujourd'hui? Oh oui! Domino est là aussi. Alors voilà, nous avons repris la route. Ambre, elle est partie bien avant moi, comme d'habitude. Et je ne sais même pas s'il a pris la même route que moi. Je n'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai quitté Altsee, j'ai pris la route direction Bingen. Bingen am Rhein. Je veux voir si je peux prendre le bac pour traverser, pour prendre la route rive droite. Ça dépend le prix aussi, hein, parce que... Nach 300 Metern, voilà. Nimm im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Merci madame, elle me dit de prendre la deuxième sortie au rond-point. Vous voyez, là c'est marqué Bingen, donc je suis Bingen. Et ensuite, je me longe le Rhin. Mais je ne sais pas encore, est-ce que je veux prendre rive droite ou rive gauche, je ne sais pas encore. Alors, nous sommes toujours dans une région du vin. Regardez, il y a des vignes un peu partout, partout, partout. Des vignes à perte de vue. Moi, j'aime bien. J'aime bien le vin, mais le vin allemand, oui. Mais je suis un peu comme Ambre. Ça, c'est que sont du raisin blanc ici là, sont essentiellement, attendez, je vais fermer la fenêtre, ça fait peut-être un peu moins de bruit, voilà. Alors désolé si ça secoue un peu, la route n'est pas en super bon état non plus. Et donc voilà, vin allemand, effectivement, je préfère le vin blanc. Le vin rouge, n'importe quelle région, j'en ai dégusté plusieurs vins rouges en Allemagne. Je parle bien évidemment, j'ai vécu quand même pendant quelques années. Le vin rouge allemand n'est pas assez sec à mon goût. C'est trop demi-sec, c'est pas assez brut, voilà. Et même si c'est marqué dessus brut ou sec, je sais que dans ma famille, ils se sont toujours moqués de moi. Parce que moi, j'ai dit, mais il n'est pas assez sec. Ils m'ont tous dit, mais oui, mais il est hyper sec, hyper sec. Ouais, mais bon, c'est peut-être aussi le goût du vin de Bordeaux. Ça le fait peut-être aussi, je n'en sais rien. Toujours est-il, en Allemagne, je préfère du vin blanc. Un blanc bien sec, bien frais, c'est super bon. Bon, sinon, ouais, ça va, pas trop, depuis 2-3 jours, je suis tout chrognonneux, je suis fatiguée, j'ai du mal à me lever le matin, mis à part que la nuit dernière, elle n'était pas super bien, parce que Domino, il n'était pas bien, bon, ça lui arrive des fois, il est vieux, hein, ce pauvre chien, il a quand même 16 ans. Donc, des fois, il a un peu d'arthrose, des fois, il a un peu mal par-ci, un peu mal par-là, donc voilà. Et puis, il a bougé toute la nuit, je lui ai donné un tout petit cachet pour calmer la douleur, donc ça allait un peu mieux. Donc, du coup, eh bien... Nach 600 Metern, nimm im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt. Ok, on va prendre la troisième sortie au rond-point, c'est parfait. Donc voilà, on n'a pas beaucoup dormi, mais bon, mais de toute façon, déjà depuis 2-3 jours, je suis... bon. Mais ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Ça va s'arranger.
Alors maintenant, il me dit de prendre une de la troisième sortie. Ah oui, sinon il faut traverser le centre-ville. Ah ok. J'ai compris. Voilà. Den Kreisverkehr verlassen. Maintenant, ben non. Un peu plus loin quand même. Voilà, ici. Parfait. Qu'est-ce que tu as encore sur ton museau là, Domino? Ah, Domino. Bon, et de temps en temps, normalement, il reste toujours derrière, mais de temps en temps, il descend de son canapé. Il va boire un coup, et ensuite, comme il est trop vieux et ne peut plus remonter tout seul, il vient me voir et il faut que je remonte. C'est toujours un peu délicat. Bon, ici, ça va, on est sur une patois, donc ça va. Une autre différence entre le vin français et le vin allemand. Déjà, en France, on a l'habitude de voir les châteaux au milieu de la vigne. Tandis qu'ici, en Allemagne, les châteaux sont bien dans le village. Et la vigne, eh ben, c'est la vigne, voilà. Là, on arrive à Bingen. Am Rhein, donc on va pas tarder le voir le Rhin, je pense. Autre différence, et ça par contre, on a déjà en Alsace, ce sont en Allemagne, ce sont des vins de cépage. En France, on a l'habitude pour améliorer le goût de mélanger les cépages, les différents cépages. Tandis qu'en Allemagne, ce sont des vins de cépage, c'est-à-dire Bourgogne, ben c'est Bourgogne, Riesling, c'est du Riesling, Gewürztraminer, c'est du Gewürztraminer, et Müller-Thurgau, c'est du Müller-Thurgau. Et il n'y a qu'un seul cépage dans le vin. Voilà. Donc il y a toujours la spécificité du goût, il y a toujours la spécificité. Du cépage, il n'y a pas toujours le même goût parce que ça dépend des années, vous le savez, plus de soleil, moins de soleil, plus de sucre, moins de sucre et ainsi de suite. Voilà, ça aussi c'est une différence par rapport au vin français. Et ça par contre, on a déjà en Alsace, hein. Vous savez, Alsace, vous achetez une bouteille de Gewürztraminer, c'est vraiment du Gewürztraminer. Hein. Vous achetez une bouteille de Riesling, ben c'est vraiment du Riesling, il n'y a que du Riesling dedans. Oui, je me répète, Ambre va dire, elle va me gronder, elle va me dire, ah, tu te répètes, tu ratotes, je ratote. Oui, je ratote. J'ai droit, je suis vieille. Voilà. Bon, on m'a traversé Bingen. À droite de moi, je vois des bateaux, je vois déjà le Rhin. Et on va continuer à travers une région assez vallonnée, assez sympathique. Bon, je voulais prendre le bac, hein. C'est qu'en fait, je suis trop haut. 2,50 m, ça va pas le faire. Et comme j'ai pas envie de transformer Foxy en décapotable, hein, ça va pas le faire. Je vais m'approcher un peu plus pour voir si c'est vraiment ça. Autofair Lorelei. Alors, est-ce que... Ah oui, c'est le passage que 2,50 m. Oh là 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 là, je peux pas y aller. Il n'y a pas d'autre, mais non. Pas d'autre accès. Je vois s'il y a un autre accès plus loin. Parce
là, 2,50 m, ça ne passe pas. Regardez à gauche comme c'est joli le village. Ici, il n'y a pas de pont du tout il n'y a que des bacs. On va voir s'il y a un autre plus loin. On va voir. Allez, on va prendre le bac. Tiens, il prend tous les véhicules. Je sais pas combien ça coûte, on verra bien. Jusqu'à 32 tonnes. Oh, on fait 3,5 tonnes, donc c'est bon. Nimm die Fähre. On attend. Voilà. Kaup. On va traverser à Kaup. Il y a un château au milieu, là. Ça a l'air très joli. Bon, il y a un train aussi de l'autre côté. Il y a un train de côté. Et si vous regardez un peu les collines, il y a un château en haut, là. Et si vous regardez un peu les collines... Et vous voyez, il y a toujours la vigne, toujours et encore et encore et toujours. Allez, le ferry, le bac est en face. On va attendre. Voilà, il arrive. Vous voyez, c'est tout petit. Mais ils prennent des véhicules jusqu'à 32 tonnes. Et comme nous, on ne fait pas 32 tonnes, on peut le prendre. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de place. Mais j'adore les bateaux. Et Foxy en a déjà pris plusieurs. Donc, il va prendre encore un autre. Allez, je remonte pour être prête. Et bien évidemment, vous allez entendre Domino. Allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Il y a un monsieur avec un t-shirt bleu. Il va nous dire où y aller. Nach 300 Metern rechts abbiegen. Ouais, c'est ça, t'as raison. D'abord, on va prendre le bac et ensuite. Ça coûte. Guten Tag. Hallo,
wie viel kostet das denn? Das Wohnmobil ist wie lange? 6,60. 6 Meter, habe ich Sie sagen hören. Ja, ich auch. Dann sind 6,50 Euro zusammen, bitte. Oh, das ist ja billiger als eine Flasche Sekt. Ja, kann man nicht mit schwimmen, mit dem Wohnmobil. Der schwimmt ganz, ganz schlecht. Ja, doch, ein Stück geht schon. Tief, sehr tief. Ja, irgendwann macht es am Club. Ja. Ich habe ein Problem mit der Hausratensicherung, muss ja den Wasserschaden erklären. Ne? Also 6,60 haben Sie gesagt? 6,50 reichen mir. 6,50 reichen Ihnen, na Mensch, also ist ja billig. 6,50. Der sieht gut aus. Dankeschön. Dankeschön. Schön, danke. Hallo. Boah, ça va, 6,50 Euro. Je sais pas, il m'a demandé la longueur. C'est parfait. Oui, c'est par longueur ici. J'avais déjà regardé un peu tout à l'heure les prix, parce qu'ils ont un site aussi. Mais apparemment, ça ne correspond pas vraiment, parce que c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Une autre, oui, c'est peut-être aussi la durée. Parce que j'avais regardé une autre ferry, peut-être un peu plus grande, peut-être un peu plus longue. Et c'était marqué, je crois que c'était 8,50 plus 2 euros par personne. Voilà. Allez, on attend le départ. Ça y est, c'est parti. Oula, il a mis le turbo en route. Attendez, ça bouge un peu. Voilà. Pas bien fixé le téléphone. Il me dit tourner à droite et ensuite tourner à gauche. Bah oui, il faut d'abord qu'on descende. Bien. Parfait. Et hop là. Tac. Allez, c'est parti. Allez, allez, vas-y. Vas-y. On va laisser passer. Et c'est parti.
chez Madame Lorelei. Est-ce que ça vous parle? Alors, en fait, pourquoi c'est spécial cet endroit? C'est tout simplement, nous y sommes ici, là. C'est l'endroit le plus rétréci, le moins large, le plus étroit du Rhin. Voilà. Et il y a donc Madame Lorelei. Il y a une légende qui est assise en face sur le rocher et qui chante merveilleusement bien. Et tous les bateaux, les bateliers qui passent, ils se concentrent plus sur la navigation, mais ils écoutent le chant et ils chavirent. Voilà. Donc on voit un peu mal parce que c'est sur la droite, là, sur le rocher à droite, c'est tout en haut là. Non, je ne vais pas m'arrêter encore une fois de plus. Voilà, c'est ici en tout cas. Et la légende veut que Lorelei, c'était une jeune femme qui a été trompée par son amant et quittée par son amant. Donc, avant d'aller au couvent, elle a décidé d'aller au couvent. Avant d'aller au couvent, elle a dit, mais une dernière fois, je veux voir mon château et je veux voir le Rhin. Donc elle a grimpé sur le rocher et elle a vu le bateau qui a amené son amant. Elle était tellement désespérée qu'elle s'est jetée dans l'eau. Voilà l'histoire de Lorelei. Et il y a plein de légendes autour. Il y a plein des poèmes, des histoires tout autour. Il y a une chanson aussi. Voilà Lorelei. Le château en haut à droite, voilà. Bon, il faut que je regarde un peu la route quand même. C'est très joli en face aussi, regardez comme c'est beau. Allez, on tourne un peu là. Oh, il faut aller doucement là. Hein? Oui, il tourne. C'est sympa. Merci beaucoup. Ah, ceux qui habitent là, ils ont une belle vue. Oula, ça sent l'enterrement ça. Ah oui. Ici, non, on va pas retourner l'autre côté. Non, 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 non. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quand je suis arrivée, c'était 1h19, maintenant c'est 1h18, je posais la question, c'est qu'en fait, comme j'avais déjà le pistolet à la main et j'étais en train de faire le plein, c'est pas calculé à 1h18, mais c'est encore calculé à 1h19, alors j'ai perdu, je ne sais pas, 30 centimes ou un truc comme ça. Mais même 1,19 par rapport au prix. Regardez le Super Plus ici, il est pratiquement au prix que le gasoil en France. Le Super est au prix du gasoil en France.
Franchement, ça fait plaisir, ça. Allez, on continue la route. Ça c'est le panneau pour le château, pancarte pour le château qu'on voit un peu en face là. Et pratiquement tous les châteaux ici, au bord du Rhin, et beaucoup de villages, de villes aussi, sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a une longue histoire des châteaux ici aussi. Et il y en a partout. Des fois c'est encore bien conservé, et des fois c'est vraiment en état de ruine. Les deux côtés, rive droite et rive gauche, il y a des châteaux. Spécificité allemande aussi, quand il y a une déviation, vous allez voir un peu plus loin, là tout de suite, là. Maintenant, tournez à gauche. On va à Koblenz. Donc, il y a une déviation et des travaux. Vous voyez, à droite, là, tout de suite, Koblenz U1, les panneaux jaunes. Donc, maintenant, à partir de maintenant, je vais suivre toujours le panneau jaune U1. U, c'est pour Umlaut. Après 2 km, tournez à droite. Oh, tu m'énerves, toi. Donc, j'ai qu'à suivre U1 et pas faire attention à autre chose, tout simplement. Et quand j'arrive à la fin de la déviation, il y a toujours un panneau U1 rayé diagonale avec un trait rouge. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a rien indiqué, rien de spécial, je continue toujours tout droit. Ça, je trouve ça très bien. Parce que c'est vrai, de temps en temps, en France, il y a un panneau déviation, et après, il n'y a plus rien. Et voilà, et débrouille-toi.
toujours évident. Et ça, c'est vrai, c'est très bien fait. Moi, je trouve ça très bien. Et c'est sur toute l'Allemagne, peu importe quel endroit. Et vous allez retrouver certainement plusieurs fois U1, U10, U20, peu importe. Parce que c'est très local. Vous voyez, c'est pas une route nationale ou quelque chose comme ça qui traverse tout le pays. C'est vraiment très local. C'est une déviation locale. Et vous pouvez avoir très bien à 50 ou 100 km d'ici une autre déviation qui s'appelle aussi U1. Voilà. Et là, elle me dit que je retrouve vite. Aïe, aïe, aïe. Voilà, vous voyez à droite encore le panneau U1. Et je continue toujours tout droit. Je suis toujours U1 jusqu'à la fin. Vous voyez là, un peu plus loin. Tout de suite, juste après la sortie du station, vous avez U1 à droite. Et bien voilà, et bien je tourne à droite. Maintenant, tournez à droite. Oui, je tourne à droite. Et même le GPS a trouvé. Après 250 mètres, restez sur la droite et puis tournez à droite. On va voir. Et voilà, c'est fini, la déviation, c'est terminé. Donc, je n'ai pas allumé la caméra assez tôt pour vous montrer comment s'est fait la fin de la déviation. Maintenant, je vais retrouver la route normale. À droite, bateau, colline, ville. On est presque arrivé chez Ambre. Après 300 mètres, restez sur la droite. Restez sur la droite. Allez, on va sortir. Bon, selon le GPS, je suis arrivé à destination. Vous êtes arrivé à destination. Merci. Ambre, elle m'a dit de suivre la rue. Et en fait, elle est pas terrain, mais presque. On va voir si on la trouve. Là, il y a un camping-car. Nous sommes installés, tranquille. Regardez-moi cette belle vue. Et si vous regardez attentivement les arbres, vous allez voir, nous sommes le lendemain. Donc, hier, on était tellement bien. Je vais vous montrer. Regardez où nous sommes installés. Voilà. Vous avez le petit chien abandonné, là, à côté. Donc je viens de terminer le petit déjeuner. Ambre aussi, elle a terminé son chicorée, voilà. Et puis nous allons quitter cet endroit vraiment très chouette. Ah, enfin, oui. Vous l'aurez deviné, c'est le Rhin, bien évidemment. Ah oui, c'est très très beau. C'est très beau.
On est au bord d'une rue, ça va, pas très fréquentée. Il y a beaucoup de cyclistes. Oui, mais c'est une zone vraiment habitable. Habitable. Il n'y a que des petites immeubles, maisons et tout. Il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas de choses comme ça. Donc, c'est hyper calme. C'est vraiment très, très, très calme. C'est très classe. Ouais, c'est très classe. C'est très classe. Et il y a des petits immeubles de 2-3 niveaux. Ouais, qui sont plus vraiment que ça. Très jolis. Ouais, regardez c'est une là zone derrière. Pavillonnaire, ça y est, j'en perds mes mots. Voilà. Oh, la vieille, alors. Non, mais elle est en Allemagne, là, maintenant, elle perd son français, quoi. Ouais, derrière, là. Voilà. Regardez où nous sommes installés. Voilà, Foxy, Coquelicot, juste derrière. Derrière Coquelicot, il y a un autre français. Derrière, c'est il y a... vraiment du sauvage sauvage. Hein? C'est vraiment du sauvage sauvage. Mais par contre, avantage, regardez, plein de poubelles. Ça, c'est chouette. Oui, ça, ouais. Et en bas, là, vous voyez, là, entre les arbres, là, il y a un camper, un jeune homme à vélo. Il est là depuis, je ne sais pas, peut-être depuis hier. Il était déjà là quand on est dans le carré. Bon, aujourd'hui, au programme, environ 3 heures de route. Ouais, c'est long là. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, on fait une grande étape. Ouais. Environ 3 heures de route, mais c'est pas grave. Il fait beau. Regardez, le ciel est bleu. Le soleil est de retour. Ambre va nous montrer. Attends, j'ai essayé de montrer un peu, défaire la carte. Voilà. Alors, dis-nous, nous sommes où actuellement? Alors, nous sommes là, à Koblenz. À Koblenz. Voilà, vous voyez ici la tour du Düsseldorf avec tout. Voilà. Ah pardon, avec le vent, Cassel, et on remonte avec le vent, c'est pas évident. Attends, oui, il y a du rose. Je vais tenir. Voilà, et on va remonter. Attends, là, on va prendre les petites routes et on remonte ici. À peu près ici. À peu près. Voilà, ça c'est et aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, donc environ 3 heures de route, pardon, et après on va remonter petite route aussi et nous allons jusqu'au ici. Là. Voilà, et là on va rester le week-end, on va rester quelques jours. Voilà, on ne sait pas encore c'est, combien de temps. Voilà, c'est chez une amie. La dame donc, qui nous accueille va nous supporter. Voilà. Peut-être au bout de 2 jours avant de foutre dehors. Donc, comme vous le voyez, on est vraiment en train d'atteindre le nord, le plein nord de l'Allemagne. Voilà. On aura peut-être faire un petit tour par là, on ne sait pas. On ne sait pas encore. On verra. On verra comment est notre humeur. Comment sont les routes, comment on est, voilà. Et bien évidemment, oh, regardez, il y a un bateau qui passe. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bateaux. Vraiment, ça circule ici, je vous l'avais déjà dit. Il y a tout le temps du mouvement. Et même tard le soir, j'ai vu passer des bateaux encore très, très tard le soir. Oui, Domino, tu es là, toi aussi. Il râle parce qu'il est attaché. Dis bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Bon, allez. Oui, je ben sais voilà. Pas ce qu'il y avait dans son café, je ne le dirai pas. On s'en fiche. Allez, on s'en va. Je vous laisse avec cette belle vue. À bientôt. Ciao, ciao.